Hey yo tout le monde, retour sur le jeu Hellpoint pour l'épisode 6. Alors la dernière fois, petit fail hein, sur l'épisode 5. Donc j'ai dû reparcourir ce que j'avais fait. Donc du coup, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé sur le loot de pas mal d'objets. Parce que oui, effectivement, j'ai looté pas mal d'objets sur l'épisode 5, dont cette superbe armure qui est vraiment vraiment bien. Le glaive que vous voyez dans les mains, qui est vraiment super. Comme vous pouvez le constater là en bas à gauche, juste au-dessus de mes astuces, je comprends pas, j'ai un petit truc qui s'est débloqué. Ça a l'air de... Enfin, quand j'ai tapé avec le glaive, ça s'est débloqué et je sais pas ce que c'est. Je sais absolument pas ce que c'est. Donc je sais pas, on verra bien, peut-être que j'aurai une explication un peu plus tard. Alors j'aimerais également vous montrer quelque chose que j'avais complètement oublié de vous montrer la dernière fois. J'ai également looté une arme qui demande de la cognition. Donc ça doit être de l'intelligence, hein, je pense. Et il me demande 8 points de cognition. Donc à mon avis, c'est clairement pas quelque chose que je vais monter, malheureusement. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si dans... Dans ce jeu, comme dans les Souls, on peut réinitialiser les points de compétence. Et peut-être que je passerai quelques points en cognition pour pouvoir choper ce type d'arme. Donc il s'agit d'une arme à distance, qui est plutôt stylée, qui ressemble à une sorte de mitraillette. Ouais, pas trop mal. Et voilà. Voilà comment ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Et ça utilise donc bah, forcément la mana. Donc très clairement je ne vais pas l'utiliser maintenant puisque j'ai un malus de dégâts comme je ne peux pas utiliser cette arme comme je n'ai pas les points qu'il faut. Alors la dernière fois je me suis fait ruiner par ce qui me semble être le second boss du jeu qui ressemble à la mascotte de Tiny Build quand on allume le jeu. C'est très clairement ce monstre là. Et donc j'ai décidé de revenir au niveau 1 à l'ambassade. Je crois que c'est ça, ambassade, ouais. Et on va essayer de trouver les passages qu'on aurait oubliés. On va essayer de looter les objets que l'on n'a pas lootés puisque j'ai loupé quelques objets. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de me taper un chevalier, tiens, pour essayer mon équipement. Allô? Ah, merci. Olé, olé, olé. Olé. Ouh. Ok, j'ai bien fait d'esquiver ce coup-là parce que je sais qu'il fait extrêmement mal. Oh! Oh! Allez, vas-y, fais ton super pouvoir de la magie de l'épée. Ah! J'avais... de stamina il me semble. Putain, dommage, il m'a fait un mal fou. Allez, ouais voilà, c'est ce que je voulais que tu fasses. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux recommencer? Oui, voilà, parfait. Voilà. Merci grand. Oh, il m'a looté un truc. Ah, des âmes. Ok. Pas mal. Alors étrangement, il y a des portes ici, je sais pas si elles s'ouvrent, je sais pas si c'est juste du décor, on verra bien. Il me semble qu'il y en a un deuxième, donc faut quand même que je fasse un petit peu gaffe à ce que je fais. Je vais quand même faire ça, on sait jamais. Je vais aller me le taper, gentiment. Gentiment, gentiment. Ah, il m'a touché l'enfoiré! Il m'a touché! Ok, il m'a touché. Fasse gaffe parce qu'il a voilà ce coup-là qui est
assez dur. Oh, petit lag. Visiblement. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ouais, bon, bah ça a l'air d'être faisable, finalement. Ça a l'air d'être assez faisable. Ça fait longtemps que je suis pas passé là, tiens. Alors, on va reprendre notre vie. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux utiliser mes points? L'endurance, peut-être. Ouais, je vais monter un peu l'endurance. Je sais pas si je vais privilégier l'endurance plutôt que la santé. On verra bien. Je vais monter plus l'endurance. Je vais peut-être monter l'endurance à... Bah à 6, déjà. Je vais voir à quoi ça va m'avancer. Et puis après, je monterai certainement la vie. La santé. Bonjour. Salut Billy. Ok, donc vous, c'est un petit peu tranquille. Tiens. C'est quoi ça? Oh, on dirait des messages comme dans Dark Souls. Oh, on peut faire ça maintenant. Attendez, il y a une porte là. Attendez, il n'y avait pas de porte avant là, ou c'est moi qui ai loupé un truc? Ça peut s'ouvrir de ce côté. Il règne une odeur pestilentielle. Alors ça peut pas s'ouvrir de ce côté là visiblement. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose? Peut-être. Depuis quand il est là, lui? Ah, oh, je me suis encore trompé de touche, quel con. Ok, donc il y a lui en haut, on l'oublie pas. Tu descends, Billy? Billy? Non, il va falloir que je vienne te voir. Bon. Voilà. Eh oui, c'est ça, allez, meurs. Olé. Allez, on y va, on y va, on y va. Au secours. Ah merde, il est tombé en bas. Voilà, est-ce que tu peux mourir? Allez, des âmes. Il y a un truc en haut que j'ai oublié. Des âmes. Je sais absolument pas comment. J'avais même pas remarqué qu'il y avait une porte là, il me semble. Je sais même pas comment on y va, tiens. Y a pas un passage là quelque part? Non, évidemment. Je vais regarder mieux, hein. Peut-être que j'ai loupé un truc. Ouais, non, y a pas de passage, rien. Je vais aller là. On verra bien ce que ça va me donner comme possibilité. Là, déjà. Allez, t'excites pas trop toi. Voilà. Donc là en bas, oui. Là je sais que c'est avec Billy Bob. Là en bas, c'est la salle où il y a pas mal de choses. Ok. Là il n'y avait rien. Pourquoi ça tremble? Donc là il n'y a rien. Ouais, là-bas il y a les deux mecs en PLS. Hack. Donc là il y avait rien, il me semble. Ok, bon, bon, bah je me rappelle plus. Quand on descend, il y a quoi déjà? Donc là il y a un robot. Quand on casse, il donne rien, c'est con. Je suis où là déjà? Ah oui, c'est... d'accord, je suis dans l'espèce de salle. Donc
D'accord, ouais, merci. Ok, j'essaye de faire gaffe parce que je sais qu'ici il y a des. Il y a des saloperies de monstres. Déjà, il y a lui. Ah oh, au secours! Bonjour. Meurs. Ok. Au revoir. Oh, oh putain. Oh non. Oh, je me suis fait baiser. Oh là, je sens que je me suis fait baiser la rondelle. Oh, je sens que je me suis fait baiser la rondelle. Oh, c'est bon ça. Olé. Ok, je vais me soigner. Ouh, ça fait mal ça, madame. Ok, je l'ai loupé. Non, ça, ça fait mal. Aouh. Oh, je suis mort, je suis deg, je suis tellement dégoûté. Ah non. Je me suis fait tellement avoir. Ah, il était mort, il était tellement mort. Ah. Bon. Let's go. Alors, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais me dépêcher. Je vais descendre là tout de suite. Vous allez comprendre peut-être pourquoi je fais tout ça. Parce que voilà. J'en étais sûr, c'est ouvert. Vite, vite, vite. Vite, vite, là faut courir, madame. Ah, c'est tout! C'est juste ça! Enfin, je sais pas, c'est peut-être super. Bonjour, messieurs. Olé! Ouais, faut que je fasse gaffe quand même. Je crois qu'ils peuvent me toucher. Allez. Voilà. Ok. 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 je suis un filou. Je suis un petit filou. Enfin bon, c'est pas la peine de prendre trop la confiance. Voilà, parfait. Ok. Donc j'ai mon clone quand même qui peut être assez vénère. Salut! Je vais aller récupérer mes âmes aussi pendant que j'y suis. Voilà, merci. Oh, mon clone, il a l'air vénère. Oh, mon clone, il a l'air tellement vénère. Il m'a vu, surtout. Hein. Non, en fait, c'est surtout qu'il m'a vu. Oh. Oh, oui. Oh, il est vénère. Oh. J'ai plus de stam. J'ai un peu du mal à gérer ma stam. Je vais pas vous le cacher. Voilà, meurs. Ouais, j'ai un peu du mal à gérer ma stam. Il va falloir que je fasse un petit peu attention. Là, donc toi meurs. Je vais faire un peu le ménage. Bon, bah j'ai bien géré le fameux secret. C'est bien ce qui me semblait quand il disait que j'avais pas eu le temps. J'étais sûr que c'était une course où il fallait aller le plus rapidement possible avant que ça se ferme. Donc, j'ai eu le nez. Là, toi, meurs. Là, toi, meurs.
Je pense que j'ai pas mal clear l'endroit. J'avais pas un mec là-dedans? Non? Bon. Ok. Comment est-ce que je peux remonter? Il me semble qu'il y avait un truc là-haut. Là, visiblement, je peux remonter, hein. Non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et là, du coup, je fais quoi? Du coup? Ça me donne accès à rien, hein. Je sais pas pourquoi il y a des trucs des fois qui sont mis là, ça te donne accès à que dalle. On peut remonter là-bas, ça c'est sûr. Alors faut que je fasse gaffe à Billy. Aouh! Putain, alors lui à chaque fois je me fais avoir. Hein. Oh, cool! Ok, donc ça c'est très cool. Là apparemment il y a encore des trucs où tu peux grimper dessus, mais ça a pas l'air d'être d'être ça. Alors je sais qu'on peut monter là. Pardon, chaque fois j'ai l'impression que ça va le faire tout seul, mais non. J'ai pas un accès quelque part, parce que je... y a ça là-bas. Peut-être monter sur une plateforme, j'en sais rien, non. Merde! Oh, je tombe comme un con. Non, me dites pas que c'est ça. Me dites pas qu'il faut courir et monter sur la plateforme. Merde! Aouh! Je me trompe, pardon. On recommence. Alors attends, attendez, attendez. Ouais, c'est A pour sauter. Voilà. Je vais quand même reprendre ça avant de mourir comme une daube. Ah, c'est ça! Oh, ça m'a tué, quoi! Oh, le mec! Putain, ça m'a tué! Bon. Ça a l'air d'être ça. Donc, à tous les coups, il faut courir et sauter au dernier moment. Ah, la gestion des sauts dans ce jeu-là est pas forcément géniale. Bon, je vais du coup aller ramasser mes âmes. Mais j'ai trouvé, je pense... Bon, ça va être très compliqué, ça, je le sens. La gestion des sauts est assez aléatoire, un peu comme les... un peu comme la caméra, je vais pas vous le cacher. Donc je vais repasser par en haut, je pense. Alors t'es où Billy Bob? T'es là. Je sais que c'est toi en premier. Voilà, ça va. Putain, j'espère que je vais pas avoir fait repopper le gros monstre. Évidemment que si. Ah! Toi, tu m'as pas vu, tant mieux. Par contre, je sais plus où je dois aller. Ok, donc mes âmes sont là-haut. Oh putain, j'ai encore mon fantôme. Oh, quelle misère. Ok, donc il est où le fantôme? Allô? Il m'a vu? Non.
Putain, il y a du peuple, hein. Ok, il est où le fantôme? Ok, il est là. Ok, il y a un monde de fous. J'aimerais bien les aggro un par un, si possible. Il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Ok, il m'a vu, il m'a vu. Il m'a vu. Au. Oh la vache, il tape dur. Je préfère, on sait jamais. Voilà. Parfait. Et 2-1. Je vais peut-être pas me le faire tout de suite, lui. T'es relou, toi, quand même, hein. Je vais les récupérer. Ça, en premier. Allô? Je suis persuadé que c'est ça. Il faut que je saute sur la plateforme. Mais comment sauter sur la plateforme? C'est ça, le problème. Puis là il y a un monde fou, faut vraiment que je clear la salle en bas. Y a pas à chier. Si je clear pas, le problème c'est que si je me vautre et qu'il me reste un point de vie, je vais me faire réceptionner comme une daube, c'est sûr. Ok, tranquille. Là. Et il est où l'autre? J'essaye de faire un peu attention au gros en fait. Bah il a disparu le gros ou quoi? C'est ce bordel. Bonjour. Attendez, je suis pas fou, j'ai... attendez. C'est quoi ce bordel? À un moment donné, ils s'en vont? Oh là, je comprends rien. Ah, il est peut-être... non, il est parti là-bas? Bon. Non, bah il s'est barré, visiblement. Bah, je suis bien content. Ouais, pourquoi pas. Tant mieux. Bonjour. D'accord, donc à un moment donné, pouf pouf, quoi. Bon. Ok. Du coup, je peux y reparler? Ah, il me dit la même chose, ok. Ah d'accord, il me dit la même chose. Bon. Est-ce que je vais pouvoir choper ça sans mourir une unième fois? Après, de toute façon, il me semble qu'il y avait que ça. Hein. Apparemment. Ah donc je suis obligé de monter sur ça. Je suis obligé de monter sur ça. Le problème c'est que ça me fait retomber là, d'accord. Ah, j'essaye de pas me louper mais... C'est vraiment au poil de cul. C'est vraiment au poil de cul. Du coup, ce que je vais faire,
Du coup, ce que je vais faire, bah, je sais pas trop. Parce que j'ai 5 000 et quelques dames, ça me ferait vraiment chier de remourir comme une merde. On va faire ça. Je vais dépenser mes points, enfin mes âmes. Enfin mes actions. Enfin, vous m'avez compris quoi. Et puis, je vais essayer de choper ce bon sang d'objet. Ah, du coup, pour éviter de mourir, je vais investir tout ça en vie. Ah merde! C'est bon là? Attendez. Ah non, attendez, oulala, il m'en reste pas mal là. Ah, à deux âmes près, tu te fous de moi. Voilà. Parfait. Ah, du coup, ça va m'empêcher peut-être de mourir comme une merde. Ce qui peut évidemment être une bonne chose. Là, meurt. Toi là-bas. Ouais, allez, pour la forme. C'est mieux, je pense, de partir par là. Plus facile, plus rapide. Vous voulez. Voilà. Meurs. Il est là, le gros. Apparemment, non. Alors, de là, est-ce que je peux regarder? Vous voyez, il y a encore une plateforme au-dessus, hein. Donc, à tous les coups. Tu m'as vu toi, Billy? Non. Ok. Faut absolument que j'y arrive. Ah, de toute façon, je suis persuadé que c'est ça qu'il faut faire, hein. Ah, bâtard. Ouais, off. Ouais, off. Ah là là, il m'a encore eu lui, hein, c'est pas vrai. Du coup, j'espère que ça va tenir. Merde. Merde. Bah alors. Bah si, attendez, quand même. Oh, ça me tue! Même avec l'investissement en vie que j'ai fait, ça me tue! Oh là 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 là. Si à chaque fois que je meurs, ça va être chiant. Oh là là, comment est-ce que je peux le choper, ce putain de... Merde! Oh, l'arnaque! Dommage, dommage. Hop. Si tu pouvais mourir, toi. Désolé, hein, c'est peut-être un épisode un petit peu moins incroyable. Mais bah, ça fait partie du jeu. Tiens, vous voyez, c'est ça qu'elle a fait mon arme. Attendez, 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 attendez.
Attendez, j'ai l'impression de gagner des niveaux avec l'arme. J'ai l'impression de gagner des niveaux avec l'arme. Regardez en dessous des... Putain, j'avais pas vu, il y a une barre qui augmente. Gestion de force augmente les aptitudes de force. Effet conducteur. Oh putain, d'accord. Ça c'est pas mal par contre. Donc à tous les coups, je dois passer des niveaux peut-être avec le avec l'arme. Plus je l'utilise, plus je gagne des niveaux. Ça paraîtrait Ouais, donc forcément, il y a Billy Bob en bas. Ok, donc toi tu m'as pas vu, tant mieux. Je sens que ça va être emmerdant encore ça. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Là, toi meurs. Putain. Dommage, du coup je vais me soigner. Bon, ça c'était pas indispensable, mais on va pas cracher dessus. Ah merde, du coup je vais me soigner. Parce que je sais pas si j'étais pleine vie quand j'ai fait le test. Bon, dernière fois et après je reviendrai quand j'aurai un peu plus de vie. À tous les coups, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est bien. Ouais. Allez, c'est parti. Merde! Ah merde! Ah putain! Ça a pas sauté. Génial. Du coup, je vais me taper ça pour remonter ma barre d'astuce. Là, si tu peux mourir, toi, ça m'arrangerait. Bon Billy. Allez viens. Putain, j'en aurais chopé du fantôme, hein. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Allez, je réessaye une dernière fois et on arrête la vidéo là. Je vais aller en face. Je vais pas aller là-bas, je pense que c'est trop loin, je vais aller en face. C'est parti. Oh! Et je meurs. Ah, bon, je dois pas avoir suffisamment de skill ou suffisamment de vie, puisqu'à chaque fois que je tombe, je meurs. Bon bah les petits amis, bon bah c'était un peu un épisode un peu plus XP on va dire. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je fais mal pour choper cet objet-là. Puis je sais pas trop ce qu'on va faire la prochaine fois. Je pense pas être encore suffisamment fort pour aller me taper le deuxième boss. On verra bien. Non, mais c'est tout, les petits amis. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus et portez-vous bien. Allez, salut!